Bonjour à tous, je suis Fanny. J'ai rejoint France Souveraine pour participer à ce beau projet. Et c'est moi, ainsi que toute une équipe, qui vous accompagnerait sur la série de podcasts réalisée cette année. Chaque mois, France Souveraine vous proposera une série de podcasts en exposant un thème, un sujet corrélé à l'objet de la souveraineté. Aujourd'hui, Dominique Motte. Aujourd'hui, nous allons parler de l'initiative populaire que l'on pourrait appeler en France la souveraineté populaire. Chez France Souveraine, nous défendons l'idée que le peuple puisse participer à la vie démocratique de manière plus régulière, et ce, à travers des référendums. Nous allons, lors de cet entretien, tenter de comprendre le fonctionnement démocratique de la Suisse, du point de vue des citoyens, et tenter de faire le parallèle avec la France et les évolutions qui pourraient nous permettre d'avoir un mode de fonctionnement plus participatif. Dominique Motte, bonjour. Bonjour. Vous êtes citoyen suisse, auteur de l'ouvrage « De la démocratie en Suisse ». Nous posons la même question à tous nos invités, qui est la suivante. Quel est pour vous, dans l'histoire de la France, un moment, un lieu, un événement, un personnage ou un mouvement qui a marqué cette idée de souveraineté, qu'elle soit nationale ou populaire, et qui représente l'idée que nous en faisons à France Souveraine? Oui, alors, moi je suis assez âgé, donc j'ai connu l'année 62 où le général de Gaulle a institué le suffrage universel à deux tours. J'avais bien connu le temps de Coty et tout ça, qui est avant évidemment dans les années 55 à 58, avant que de Gaulle n'arrive, avec des mouvements dans la chambre qui étaient constants, enfin renversés. Moi j'entendais ça parce que j'avais 15 ans, j'étais encore un bébé. On renversait les chambres et tout ça, je savais pas trop de quoi y retourner. Et un beau jour, en 62, j'avais 20 ans, on annonce que le général de Gaulle, qui est là depuis 4 ans, va instituer le suffrage universel à deux tours. Alors je dois dire que pour moi, ça a été une grande nouvelle. J'ai cru que ça y est, on avait inventé ça, c'était fabuleux et c'était extraordinaire. Donc pour moi, personnellement, si je parle du moment présent, c'est-à-dire depuis que je suis sur Terre, et je remonte pas à Tocqueville, tout ça, parce que j'avais jamais lu du Tocqueville, j'avais jamais regardé ça, je m'étais pas beaucoup occupé de Lincoln, d'Abraham Lincoln qui parlait du peuple par le peuple et tout le peuple. Enfin, j'étais pas passionné par la politique. Donc, pas passionné par la démocratie. Donc, pour moi, je dirais que c'était l'institution 62 du suffrage universel à deux tours. Alors, vous êtes un citoyen suisse, ni engagé politiquement, ni engagé syndicalement, et pourtant, vous avez voulu, durant le confinement, écrire un ouvrage qui s'appelle « De la démocratie en Suisse ». Il fait, dans un certain sens, l'éloge du fonctionnement démocratique en Suisse, et vous l'avez réalisé pour la France. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter aux membres de France Souveraine, raconter votre parcours professionnel? Puis, dans un second temps, nous expliquer l'essence de cet ouvrage et l'objectif de celui-ci. Alors, oui, tout à fait. Alors, je dirais que j'ai travaillé moitié-moitié. J'ai travaillé une bonne vingtaine d'années en France et j'ai travaillé une vingtaine d'années en Suisse. Donc, je dirais que de 62 à 82 ou 80, je suis parti en 80 et non pas en 81. Il faudra le souligner. Je suis parti en 80 et je me suis redomicilié en Suisse puisque j'étais suisse et que je voulais habiter la Suisse en 80. Voilà. Donc, en France, j'avais développé des activités dans le domaine du sport qui s'appelait le golf à l'époque. J'avais racheté 2-3 entreprises. C'était l'objet de ce que je faisais en France, c'était de racheter des entreprises. Et donc, je ne m'occupais pas beaucoup de politique à l'époque. Ensuite, je suis reparti donc chez moi. De là, j'ai repris des sociétés à partir de la Suisse en France. Et entre autres, j'ai repris une fois, je parlais de différentes sociétés que j'ai reprises dans la cosmétique en France et dans le sondage, une société qui s'appelle l'IFOP et que j'avais repris pendant 3-4 ans avec un cabinet avec qui j'étais associé qui s'appelait Bossard, qui est un cabinet de consultants qui est dans le giron de Capgemini aujourd'hui. Et nous avons racheté l'IFOP, que nous avons gardé pendant 3-4 ans et qui est revendu à Laurence Parisot. Voilà, donc je me suis intéressé un peu à la politique pendant que j'avais l'IFOP, bien sûr, puisque nous étions quand même les leaders sur le marché, quasiment les leaders sur le marché du sondage.
Donc, je ne me suis pas beaucoup occupé de politique. Alors, je m'en suis occupé à partir de, d'il y a deux ans et demi, quand j'avais 77 ans. Bon, j'ai arrêté de travailler, j'ai vendu les dernières affaires, c'était fini. Et je me demandais ce que j'allais faire là maintenant dans les années qui viennent. Et est arrivé différents événements en France, alors, et, comme les, ce que j'appelle les gilets jaunes, ce que j'appelle... des émissions à la télévision, je parlerai de Zemmour, de Houellebecq, de Onfray, qui sont sur CNews. Je n'avais pas l'habitude de regarder ces émissions le soir. Et tous, les trois en tout cas, là, parlaient de référendum en disant « Ah ben moi, si c'était comme en Suisse, que le référendum était habituel en France, je reprendrais goût à la politique ». A dit Houellebecq, ça je l'ai entendu, a dit Osio Osimo et d'autres. Bon. Ensuite est arrivé des inexactitudes quand le ministère des Finances français a dit on va faire des relevés à la source sur les salaires en France et comme en Suisse. Non, il n'y a pas de retenue à la source des Suisses en Suisse, il n'y en a pas. Les Suisses font des déclarations d'impôts et déclarent leurs impôts. Donc c'est une inexactitude pour ne pas dire autre chose. Quand je vois qu'il y a des gens qui disent « mais oui, il y a un SMIC en Suisse ». Non, il n'y a pas de SMIC en Suisse. Donc, j'ai été un peu alerté, si je puis dire, entre guillemets, par des inexactitudes, par des déclarations d'hommes connus, publics, comme ceux que je viens de vous citer. Il y a des gilets jaunes. Là-dessus, je tombe sur Victor Hugo, que j'aime beaucoup, et je n'avais jamais vu qu'il avait été en Suisse, mais qu'il disait que dans l'histoire des peuples, la Suisse aura le dernier mot. Encore faut-il qu'elle le dise. Ah, ça a été peut-être ce qui m'a fait déclencher en disant, on va le dire. Voilà. Donc, on va le dire, ça veut dire qu'on va écrire des choses pour dire qu'il y a des inexactitudes. Donc, je pensais partir par un tout petit feuillet et faire connaître ou un petit site, etc. Voilà. Et là-dessus, donc, je me suis plongé. Est arrivé, évidemment, le Covid, car nous avons les mêmes microbes en Suisse qu'en France. Et je me suis plongé là-dedans pendant 2 ans, là, maintenant. Et je me suis plongé dans la démocratie directe suisse, d'où ce livre qui est sorti, qui fait 818 pages, et qui traite d'environ 400 mots-clés. Et les mots-clés, ce sont des explications de sujets qui sont d'actualité en Suisse, mais également d'actualité en France. Ce sont les mêmes problèmes qu'on a en Suisse, en France. On a les mêmes problèmes d'immigration, on a les mêmes problèmes de tout. Tout est pareil. Eh bien, je voulais, moi, expliquer et surtout donner des résultats. Donc, c'est ce que j'appelle le POC, P-O-C, le Proof of Concept, pour expliquer que si on traite le problème de cette façon-là, c'est-à-dire par la démocratie, on a ce résultat, et vous verrez que les résultats ne sont pas si mauvais. Donc, nous avons un palmarès qui est tout à fait, je trouve, moi, élogieux pour la Suisse. Absolument. Voilà. Et donc, vous vous êtes plongé donc, dans ce livre. Oui. Et donc, afin de rentrer dans le sujet qui nous incombe aujourd'hui, pouvez-vous nous rappeler d'un point de vue historique les moments principaux de la construction de la Confédération helvétique et de son modèle démocratique maintenant vanté dans toute l'Europe ? Oui. Vanté dans toute l'Europe, je vous trouve très gentil de dire ça, car c'est pas du tout mon sentiment. Hein. Tout de suite, puisque j'y pense, ça, j'ai peur de l'oublier tout à l'heure, je trouve que d'avoir la Suisse, qui est vraiment au milieu de l'Europe, au milieu, nous avons 49 sommets de 4000 mètres, donc on est le toit de l'Europe. Hein. Aucun pays depuis 30 ans, 40 ans, et dernièrement encore, n'a fait un geste pour augmenter une certaine dose de démocratie chez eux. Aucune. Bon, alors il y en a qui sont situés à différents niveaux. Je parle de l'Allemagne parce qu'ils ont des Landers. Je parle de l'Autriche. Je parle de la Finlande parce qu'elle est neutre. Je parle de la Suède aussi. Bon, mais rien n'a évolué. Quand je reviens maintenant, parce que j'ai étudié les 50 dernières années, personne n'a évolué et personne n'a pris exemple sur la Suisse. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas un modèle. Voilà. Donc je vais essayer de vous démontrer que c'est un modèle et en sortant ce livre, avec ces mots-clés,
j'aimerais que vous puissiez voir que la démocratie, c'est pas dangereux. Les gens ont peur de la démocratie, évidemment, parce que c'est une voix, un homme, une femme, bien sûr. Et il faut pas avoir peur de la démocratie. La démocratie, c'est un outil. Parce que l'élément politique, tout le monde peut l'exprimer. Et on met à disposition du souverain, alors le souverain en Suisse, c'est le peuple, pour donner son avis sur l'idée politique que vous avez. Donc ça n'empêche pas du tout, au contraire, ça fait développer les idées qu'on met, et je pourrais vous en citer après, qu'on met sur le marché, et on a un outil pour juger de la pertinence de mettre en place, soit un texte de loi, soit n'importe quoi, bon, pour mettre en place tel ou tel résultat de votation. Voilà. Donc, les époques, je reviens aux époques, il y a eu 12, ça va aller très vite, il y a eu avant 1291, et 1291, on s'appelait les Helvètes, et les Helvètes, c'était des gens sauvages, barbus, grands barbus et tout ça, bon, voilà, avec une hache sur les épaules. 1291, il y a quatre cantons, ou trois cantons, parce qu'il y a des demi-cantons, donc c'est Schwyz, c'est ce qu'on appelle les primitifs, les cantons primitifs, qui se sont réunis, c'est une histoire vraie, ils sont réunis au Grütli. Le Grütli, c'est une prairie qui se trouve auprès des lacs des quatre cantons, et ils se sont dit, on va se réunir, on va se mettre ensemble, et on va repousser les Austro-Hongrois qui viennent du nord et qui sont sans arrêt en train de venir nous emmerder sur nos terrains. Faisons un pacte, et ils se sont serrés la main, ils ont fait un pacte. Et ce jour-là, c'était le début de la Suisse, et comme il y avait un des trois cantons qui s'appelle Schwyz, ils ont appelé ça Suisse. Voilà. Alors, voilà l'origine de la Suisse. Et de 1291 à 1848, pour faire simple, je sais pas si vous voyez, nous nous sommes appelés la Suisse. Il n'y avait aucune capitale. Il n'y avait jamais eu de capitale. Ça changeait tous les ans ou tous les deux ans quand on se rencontrait. Et on se faisait des réunions qui s'appelaient la diète. Ça s'appelait la diète, comme le mot français diète. Et donc, c'était pas une confédération, mais c'était quasiment une confédération. On se mettait en commun et on mettait en commun une ou deux idées qu'on pouvait, oui, toi tu t'en occupes, et voilà. Donc c'était un peu informel. Et donc ça a duré jusqu'en 1848. Le grand changement, c'est qu'il y a eu plusieurs cantons, trois cantons, quatre cantons, c'est le grand changement, ça a basculé. Alors qu'étant 1847, donc c'est l'année qui précède, et nous sommes en novembre 1847, c'est une date vraiment au tipping point. Et nous avons des cantons catholiques qui sont des petits cantons, qui sont moins développés au point de vue économique et tout ça, qui veulent attaquer les gros cantons qui sont des protestants. Alors, il y avait beaucoup plus de protestants en Suisse qu'il y avait de catholiques, et ils ont voulu se déclarer la guerre. Et c'est les petits qui ont voulu évidemment déclarer la guerre aux grands. Donc nous sommes entre nous. Nous, les protestants en question, c'est-à-dire les cantons protestants, Genève et compagnie, qui sont les Zurich, etc., sont plus forts que les petits et veulent nommer un Français d'ailleurs qui s'appelle Dufour. Et Dufour a fait Elix, il a fait Polytechnique 1807, la promo 1807, je crois qu'ils étaient 7 ou 8, et qui revient en Suisse et qui est à Genève, et on l'appelle, les protestants l'appellent, veulent faire la... c'est important parce que c'est le basculement de la Suisse à ce moment-là. Et ils veulent faire la guerre donc aux Suisses qui sont en train de les titiller. Je vous passe le fait que Dufour refuse de prendre le job parce que les protestants lui disaient qui fallait prendre comme dans son équipe. Lui, il a dit non, c'est moi qui montrais ma propre équipe. Et pour finir, il a monté sa propre équipe, donc il a pris le job. Et nous sommes le 3 novembre 1847, il prend le job, ils sont 30 000 protestants, et ils foncent sur le canton de Fribourg, qui est au milieu de la Suisse, et plutôt que de les attaquer, et en un quart d'heure, le Fribourg avait disparu, canton catholique, il se met autour de Fribourg, il envoie un émissaire, il dit rendez-vous, et ils ont mis 48 heures à se rendre, les Fribourgeois, après avoir voulu tirer trois flèches et deux boulets, et ils ont dit non, fais la paix. Voilà.
Et après, il a continué donc son tour auprès des autres petits cantons, Schwitz et compagnie catholique. Et pour finir, le 23 jours ou 22 jours plus tard, la guerre civile, la première guerre civile suisse, et la seule, c'était celle-là, une guerre de religion. Donc nous avons eu une guerre de religion, comme dans d'autres pays que vous connaissez, et on a eu la nôtre, et on a fait la paix. Et quand on a fait la paix, ça veut dire que les petits cantons ont dit « mais on en a assez d'être toujours bousculés par les grands cantons, etc. » Voilà, donc n'oubliez pas qu'il n'y avait pas de constitution, il n'y avait rien. Alors on dit « bon, on va faire une constitution ». Et on a créé la constitution en 48. Et dans la constitution, on l'a faite avec deux chambres, immédiatement. Donc il y avait une chambre qui est le Conseil national, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale française. Donc c'est l'Assemblée qui représente le peuple à la proportionnelle. Donc à ce jour aujourd'hui, Zurich a 23 députés sur 200 et Schwitz a un ou deux députés sur 200, c'est tout. Donc ça c'est la première chambre. Et là, les perdants demandent à Monsieur Dufour, à genoux, est-ce que vous pouvez pas faire quelque chose pour nous ? Là vous allez voir où ça débouche. Vous pouvez faire quelque chose pour nous parce qu'on est toujours en minorité. Et on crée le Conseil des États. Et le Conseil des États, c'est la deuxième chambre, la chambre haute, qui représente les cantons. Il ne représente pas la population, il représente les cantons. Et tous les cantons ont le même nombre de députés. Et les deux chambres s'appellent l'Assemblée fédérale, c'est ce qu'on appelle le bicaméralisme, et ces deux chambres ont exactement les mêmes pouvoirs, exactement les mêmes pouvoirs. Vous ne connaissez pas ça, vous. C'est-à-dire que le Conseil national plus le Conseil des États, donc il y a 200 députés au Conseil national, 46 députés au Conseil des États, forment une Assemblée fédérale, bicaméralisme, donc deux chambres, qui ont le même pouvoir, avec un texte de loi qui passe en premier dans l'une des deux chambres et ensuite dans l'autre. Le deuxième texte de loi, le suivant, passe d'abord au Conseil des États et va à l'autre, et doivent sortir à l'identique. Ça ne sort pas de là tant que ça ne sort pas à l'identique. Alors, est-ce que je me suis un peu fourvoyé, peut-être ? Mais vous m'avez demandé les grandes périodes, mais c'est la période essentielle, parce que c'est la période de la Constitution, première Constitution suisse, n'oubliez pas qu'on n'en avait pas avant, il n'y a pas de capitale, et on commence à nommer une capitale qui s'appelle Berne, et on commence à avoir donc une Constitution, une double chambre, et une capitale. Ben c'est pas mal. Est-ce que ça répond à votre question ? Absolument. Et donc ça forme un pays, qui est donc la Suisse. Et ça forme une nation. Et ça forme une nation. Donc c'est vrai que dans votre livre, on apprend beaucoup de choses, notamment par rapport au PIB et même par rapport au chocolat. Mais aussi on apprend que les citoyens suisses, que ce soit à l'échelon fédéral, cantonal ou communal, votent sur tous les sujets et très régulièrement. Pouvez-vous nous expliquer le mode de fonctionnement institutionnel de ces initiatives populaires ? Comment voit-elle le jour ? Qui sont les personnes qui les portent ? Pouvez-vous nous aider à y voir plus clair ? Car c'est vrai que le modèle suisse est souvent mis en avant dans les médias français sans que celui-ci soit vraiment décortiqué et finalement expliqué clairement aux Français. Je peux tout à fait vous le décortiquer. Alors, il est bien évident que quand j'ai pondu 818 pages et que les 3 ou 4 personnes dont je parlais tout à l'heure, on ferait... Houellebecq et tout ça, en disant « Ah, si le référendum revenait en France, alors là, je reprends des goûts à la politique », tout le monde pense, et je veux bien croire, que c'est le référendum. Et vous pensez bien que je ne suis pas assez intelligent pour, à partir de définition d'un référendum, faire 818 pages. Donc ça veut dire que nous avons une caisse à outils, que j'appelle dans mon livre le « bundle démocratique », c'est-à-dire une caisse à outils démocratique qui se place, alors je vais employer une expression qui est horrible, donc vous l'oubliez, qui se place comme des airbags à l'intérieur du pays et de l'organisation du pays. Il y a des airbags. La voiture n'avait pas d'airbags, elle a eu après des airbags dans le volant, après elle a eu des airbags dans les fenêtres, elle en a eu derrière, il y en a partout, et aujourd'hui, il y a 5, 6, 7 ou 10 airbags dans les voitures.
C'est la même chose quand vous raisonnez sur la Suisse. Et qu'est-ce que c'est que ces airbags? Ce sont des obligations qui découlent de la Constitution que vous êtes obligé de mettre en place. Les juges sont élus. Ils ne sont pas nommés. Etc. Enfin voilà, j'ai toute une liste d'une centaine de points que l'on a mis progressivement depuis 1848 en place, et donc on s'est retrouvé avec trois grands outils démocratiques. Et les trois grands outils démocratiques sont le premier, ce que j'appellerais le référendum obligatoire, et le référendum obligatoire, celui-là, vous ne le connaissez pas trop, mais c'est l'obligation qu'a le gouvernement, c'est-à-dire l'Assemblée fédérale et ou le Conseil fédéral, si c'est eux qui ont sorti le texte de loi, enfin eux, s'ils veulent faire un changement ou une modification de la Constitution ou signer des traités internationaux, ils ne peuvent pas le faire derrière le dos du peuple. Ils ont l'obligation, ça c'est la Constitution, ils ont l'obligation de soumettre cette décision qu'ils veulent mettre en place, de ce changement d'une lettre et d'une virgule dans la Constitution, ils sont obligés de le mettre au vote, à la votation obligatoire auprès du peuple. Déjà. Donc vous voyez, déjà, vous êtes tranquille. On ne changera pas la Constitution derrière votre dos. On ne va pas à Versailles, nous. On décide de changer la Constitution, vous êtes obligé de passer par le peuple, c'est tout. Ils n'ont pas le choix. Donc, c'est le vote obligatoire, et essentiellement pour ces deux choses-là, c'est-à-dire pour la Constitution et pour les traités internationaux. Voilà, si on veut adhérer à l'UE, à l'Union européenne, si on veut aller, je ne sais pas où. On va y venir. À Maastricht et tout ça. Ben voilà, peut-être. Ça, c'est le premier référendum. Le deuxième référendum, c'est, et vous ne le connaissez pas celui-là, c'est ce qu'on appelle le référendum facultatif. Le référendum facultatif, c'est un citoyen, lambda, monsieur Bott, qui a l'intention de changer le mariage pour tous. Le mariage pour tous, il y a eu une votation il y a à peu près un an, je crois, ou 18 mois, et personnellement, j'ai perdu. Donc, j'étais dans les perdants, parce que je ne suis pas très pour les autres. Mais je vais vous expliquer il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais il y a une votation, et il y a un texte de loi qui est sorti, et le mariage pour tous a été voté. Moi-même, le lendemain matin, où c'est voté, le lundi matin à 8h, dans tous les journaux, vous voyez, le souverain a décidé hier que le vote pour tous était pour la Suisse. Non, il y a tout d'un coup M. Mott qui se réveille, et moi, j'ai envie de lancer le mariage, c'est une plaisanterie, pour trois, à trois. Voilà, je vais lancer mon idée à trois. Donc, je me dis, je vais scier le texte qui est derrière, et à ce moment-là, je propose 50 000 signatures, enfin, je demande 50 000 signatures, et j'ai 100 jours pour le faire. Et pour récolter les signatures, je présente le projet à la chancellerie de là, et il y aura un droit de vote. Si je le voulais aujourd'hui, je suis, à condition que j'ai mes 50 000 signatures, je pourrais sûrement lancer une initiative pour dire « je suis pour le mariage à trois ». Et puis on verrait bien à ce moment-là ce qui se passerait, ce qui se passerait pas. Donc ça c'est déjà, vous pouvez reprendre tous les textes de loi, et tous les textes de loi, vous avez le droit de provoquer, je ne sais pas si vous me posiez la question tout à l'heure, mais je pense que oui, vous avez les provoquer, si je peux dire oui, en faisant ou en déposant des contre-projets ou de changements ou des modifications, quelle que soit la date de la loi, quelle que soit. Donc vous vous rendez compte le pouvoir que vous avez. Vous, un seul citoyen peut le faire, un seul, oui. Mais il doit récolter les 50 000 signatures, c'est tout. Et enfin, on arrive, trois, à l'initiative populaire, là nous y sommes, je pense que c'est ça que vous connaissez bien, et l'initiative populaire, c'est donc ni la Constitution, ni les textes de loi, mais c'est toute initiative que vous souhaitez déposer. Toute.
Donc, vous voulez faire tel ou tel changement, telle ou telle chose, changer la vitesse sur les autoroutes, vous voulez faire n'importe quoi, où il n'y a pas de texte de loi même et tout ça, vous lancez l'initiative populaire. Et l'initiative populaire, eh bien, vous la mettez en place et vous faites 100 000 signatures, vous récoltez 100 000 signatures et 18 mois, et vous pouvez déposer votre initiative populaire. Et elle passera très. Il y en a pas qui sont retoquées. Ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas parce que vous la modifiez en fonction. Parce que la chancellerie, ce sont des gens neutres, évidemment. Ils travaillent évidemment au palais fédéral à Berne, mais ils regardent si les signatures sont exactes, etc. Mais ils regardent pas le fond de ce qui est posé en disant oh non, vous pouvez pas. Non. Donc vous déposerez votre initiative. Avec 100 000 noms et dans des cartons, vous l'amenez et ils contrôlent les signatures, voient si elles sont légales, si elles sont bien prises dans. Alors je vous passe les détails, il faut que ça soit pris dans minimum 12 cantons, etc. Enfin voilà. Donc vous pouvez pas prendre 100 000 signatures de la ville de Zurich. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est le risque est étalé. De même que le résultat sur les droits de vote et les référendums, il y a très souvent les droits de vote un double obstacle à passer. Un, là, évidemment, le pourcentage sur la population qui a voté, 50.1, et très souvent, par exemple, pour les référendums obligatoires, il y a aussi l'obligation d'avoir les cantons en majorité. Les cantons, il y en a 26, donc il faut qu'il y ait 13,5 cantons qui sont pour. Voilà, il faut la double majorité. Donc c'est vrai que ça peut être perçu comme un cadre démocratique libre, transparent et juste. Est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples dans le domaine de la religion ou de la politique étrangère à nous soumettre ? Ah, oui. Oui. Oui, bien sûr. Que puis-je vous dire ? Je peux prendre cet exemple, le minaret, ça vous va ? Oui, c'est religieux. Alors, nous avons, il y a des musulmans chez nous, voilà, nous sommes un pays, la Suisse n'est pas un pays laïque, hein, c'est un pays qui organise les religions. Donc, la religion ne dépend pas de l'État, elle dépend des cantons. Donc, vous savez qu'il y a trois niveaux, vous avez l'État fédéral, à Berne, vous avez les cantons, et il y en a 26, tout compris, demi-canton, peu importe, il y en a 26, et ensuite vous avez les communes. Donc vous avez trois niveaux, et le niveau des religions n'est pas de la responsabilité de la Confédération, elle est de la responsabilité des cantons. Alors, je vais prendre deux cantons, vous prenez le canton de Genève, le canton de, par exemple, qui a des protestants, le canton de Fribourg, je reviens à Fribourg, catholique, eh bien, si vous vous établissez à Fribourg, et vous êtes habitant de Fribourg, dans votre déclaration d'impôt, vous allez devoir mettre votre religion. Mais vous avez le droit de mettre aussi irreligion. Si vous n'êtes pas religieux, vous mettez irreligieux, c'est tout à fait correct. Bon. Mais si vous dites que vous êtes catholique, eh bien, on percevra un impôt sur votre fiche d'impôt, sur votre déclaration d'impôt, et qui sera reversé au clergé catholique. Et des religieuses ou je sais pas quoi de Fribourg. Donc la religion est au niveau du canton. Alors si vous avez d'autres cantons où il y a des protestants avec ou des orthodoxes ou de ça, eh bien c'est la même chose. Il y en a qui peuvent lever des impôts, il y en a qui ne lèvent pas d'impôts et à ce moment-là c'est le citoyen qui règle directement et qui vient subvenir aux besoins des religions en question et voilà. Et la même chose pour les musulmans et tout ça. Donc, est-ce que c'est un exemple que vous comprenez bien, ça ? Ça, c'est facile oui, à comprendre. Très bien. Alors, je peux rajouter un autre exemple, qui est le visage. Bon, parce que je sais que c'est un débat qui est chez vous, qui est, voilà. Chez nous, tout le monde peut porter une tenue religieuse à l'extérieur, dans la rue. La seule chose qui est passée par la loi, et quasiment, je suis pas sûr de ce que je veux dire, donc je ne veux pas le dire, mais dans la Constitution, mais en tout cas, c'est la loi actuellement, c'est que vous êtes obligé d'être à visage découvert. Et dans le référendum que nous avons fait, qui a été gagné de loin, il s'est marqué, y compris les voleurs et les gangsters. Bon, donc vous n'avez pas le droit de vous voiler qui que vous soyez. Vous n'avez pas le droit de vous voiler la face, le visage. Mais maintenant que les religieuses portent leurs robes
et portent des voiles sur la tête, que les orthodoxes portent un chapeau sur la tête, etc., etc., que des musulmans portent, c'est peu importe et peu nous importe. Ça, c'est pour le public. Si vous êtes, que vous allez travailler dans un État cantonal ou à l'État fédéral, là, vous êtes dans un domaine public, vous devez retirer ce qui fait, voilà, si vous êtes religieuse à Fribourg, la sœur Marie-Joseph, là, est aussi, toutefois, elle devenait à travailler à Fribourg derrière un comptoir de l'État de Fribourg, elle serait obligée de retirer son voile, etc. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de signe extérieur quand vous êtes au service du public. Voilà. Après, j'en ai d'autres. Oui, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a eu, les minarets, par exemple, ont été, mais c'est passé à 57,5%. Parce que tout est coté. Alors, il faut savoir que si vous voulez habiter la Suisse, il faut accepter le 50.1. Si vous n'acceptez pas le 50.1, c'est tout. On vit quotidiennement avec le 50.1. Si vous êtes en dessous parce que vous vouliez voter oui et que vous avez 49.9, vous avez perdu. Voilà. Vous avez perdu, vous ne dites rien. Mais vous avez le droit de relancer le problème. Mais généralement, quand vous perdez et que vous êtes à 63, moi, j'ai perdu le mariage pour tous, j'ai perdu le mariage à 63.5, je crois. Bon, c'est pas la peine que je relance une initiative par derrière. J'aurais aucune chance de redescendre à 49.9 pour ça et je vais pas gagner à 50.1, donc je le fais pas. Donc il y a personne qui a redéposé derrière le, voilà. Du coup, c'est vrai qu'à 50.1, et oui, mais c'est le souverain donc qui s'exprime. Alors, comme vous le savez, la France a un long et lourd héritage historique façonné par l'Ancien Régime, les grands hommes et une Ve République qui place le président au centre du jeu politique. Pensez-vous que le modèle suisse est applicable dans notre pays ou est-ce que ce type de démocratie participative doit être adapté afin de trouver un juste milieu entre, d'une part, les citoyens qui veulent participer aux débats et aux décisions politiques, et d'autre part, le chef de l'État qui représente et qui, dans un sens, gouverne la France? On ne peut pas être deux à gouverner la France. Alors, il y a des choses que l'on peut faire, c'est sûr, mais si vous êtes nommé au suffrage universel à deux tours et que on institue le référendum obligatoire dont je parlais tout à l'heure avant de signer le traité de Maastricht, qu'est-ce qui se passe? C'est bancal. Est-ce que celui qui dirige et qui est au suffrage universel à deux tours accepte que le souverain ait décidé qu'on n'allait pas à Maastricht alors que lui-même a dit qu'il allait à Maastricht sans arrêt avant que vous votiez? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que ça va être très difficile. Je pense qu'on peut procéder par d'autres... Vous savez, il y a un choix extraordinaire d'outils démocratiques, je vous le disais tout à l'heure, et je crois qu'on peut commencer par des choses qui sont viables. Voilà. Dire que nous sommes au suffrage universel à deux tours, vous ne voulez pas le changer, vous laissez le président, et vous dites que je vais faire... le suffrage universel obligatoire... Avouer que là, on rencontre au minimum 5 ou 6 candidats à la prochaine élection présidentielle. Ils sont tous les 5 ou tous les 6 à être très volontaires pour passer cette étape-là. Alors, je prends Le Pen, je prends Zemmour, je prends tous, quasiment 5 sur 6 ou 7, ont dit qu'ils allaient organiser des référendums le lendemain où ils seraient élu à l'Élysée. Vous êtes d'accord avec moi, vous l'avez entendu. Eh bien, je trouve que déjà ça, il faudrait faire, mais il ne faut pas le transformer en une opportunité pour le président. Il faut essayer de transformer ça en une obligation de la part de l'exécutif de soumettre au peuple donc un référendum obligatoire. Voilà, là, vous auriez fait une étape extraordinaire. Nous vous avons posé cette question parce que les Français ont eu la mauvaise surprise en 2005 de voter par référendum et à une large majorité non pour l'adoption du TCE, c'est-à-dire le traité constitutionnel européen. En clair, les Français ont dit non à la création d'une constitution européenne. Mais quelques années plus tard, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, les représentants du peuple, via l'Assemblée nationale, ont voté pour le traité de Lisbonne,
qui était en tout point similaire au TCE. Alors, que pensez-vous de ce que beaucoup ont appelé un déni de démocratie? Et est-ce que cette situation pourrait se présenter en Suisse? Est-ce que le président de la Confédération ou les parlementaires suisses peuvent voter à l'inverse d'une décision du peuple, même quelques années plus tard? Oui, à condition... non, alors j'ai été contrôlé depuis... je vais vous prendre un exemple, vous allez le comprendre tout de suite. J'ai été contrôlé, savoir si depuis 1848, un référendum organisé par le Conseil fédéral, concernant par exemple un changement de constitution, etc., avait emmené la démission du président de l'exécutif. Vous voyez à quoi je fais allusion en 69. Eh bien, ça n'existe pas en Suisse. C'est dans la constitution. Le résultat, le peuple souverain, et d'abord il faut comprendre que le souverain en Suisse, il est au-dessus de tout. Vous avez la Cour suprême, la Cour fédérale en Suisse, hein. Vous avez le tribunal fédéral, vous avez la Chambre dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui est le socle de la Suisse où personne ne peut le traverser, mais le peuple est quand même dessus. Un peuple qui vote un référendum passe au-dessus d'une décision de la Chambre de l'Assemblée fédérale. Est-ce que vous avez conscience de ça? Donc, il faudrait à ce moment-là que, je reviens à ça, que l'obligation est donnée au président au suffrage universel, je ne sais pas si ça peut se faire, de dire que tout changement de la Constitution et toute modification ou traité avec des traités internationaux serait obligatoirement soit obligatoirement présenté au souverain, c'est-à-dire le peuple évidemment, et que vous rajoutiez en dessous que cette décision soit applicable. Bon, nous en Suisse on ne met pas ça, c'est aberrant. Bon voilà, mais beaucoup ont donné l'exemple, vous êtes d'accord, et je pensais à 69, dire qu'on va changer les choses au Sénat, je suis navré de parler du général de Gaulle, mais je crois que j'ai le droit d'en parler puisque vous allez, j'espère, me questionner sur l'OTAN, et j'ai le général de Gaulle avec moi là, de ce côté-là, et puisque nous ne sommes pas à l'OTAN, hein, la Suisse, hein. Bon, et donc quand je parle des États-Unis, on en parlera peut-être plus tard, je ne sais pas. Voilà. Donc, général de Gaulle, quand il dit on va modifier, alors que c'est un référendum pour sa personne, c'est quelque chose d'aberrant. C'est oui, je vous ai compris, d'Algérie. On ne sait plus où on est. Voilà. Bon. Et ben ça, c'est bon. Voilà. En Suisse, c'est pas ça. En Suisse, on vous dit de voter et le vote passera et la Constitution dit que le texte est le souverain et le souverain donnera son résultat à 8h du soir et le lendemain matin à 8h, on n'en parle plus, le problème est réglé. Voilà. Donc, il y en a qui ont donné le mauvais exemple, c'en est un, vous êtes d'accord? Il y en a un autre qui a donné le mauvais exemple, c'est 2005, je vous l'accorde. Il y a un dernier, moi j'ai entendu parler d'un grand terrain de 2000 mètres de long pour faire décoller des avions. Du côté de Nantes, c'est la même chose. Donc, non, bah, qu'on arrête de faire des référendums, ou alors on les appelle des référendums facultatifs ou artificiels ou joke ou je sais pas. Non, la Suisse, il n'y a pas eu un référendum qu'on a remis en cause. Mais non, le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Il passe au-dessus de tout. Ah. Alors, vous vouliez évoquer l'OTAN. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Ah, l'OTAN. Vous voulez qu'on parle de l'OTAN? Alors, la Suisse, il faut que les gens le sachent, parce que il faut donner la définition de la Suisse. Et la définition de la Suisse, ça va très très vite, rassurez-vous. La Suisse, c'est 731 années, donc depuis 1291, de démocratie. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a 700 à aujourd'hui? 731 années de démocratie. La Suisse, qu'est-ce que c'est? C'est 507 années sans guerre extérieure. Est-ce que vous savez que la Suisse n'a pas eu une guerre extérieure depuis 1515? 1515, il y avait un Français qui est parti, parce que sa maman l'a envoyé là-bas, il est parti au nord de l'Italie, il avait 20 ans, il a acheté 30 000 Suisses à un certain prix, je ne sais pas, et qu'il a donné à la partie adverse, alors que lui se mariait avec les Vénitiens à l'époque,
Ils ont tué les 30 000 Suisses, il les a liquidés, il est revenu, maman était très contente, Louise de Valois, je crois. Et il était grand, il avait 21 ans, c'est bravo, il avait gagné à Avignon. Mais voilà comment moi je vois les choses. Et nous avons fait la paix ce jour-là. On a fait la paix avec la France. Et la paix dure avec tous les pays. Nous n'avons eu zéro guerre extérieure. On a une intérieure. Zéro guerre extérieure depuis 507 ans. Depuis 1515. Est-ce que vous imaginez? Troisièmement, nous avons 207 années de neutralité armée. Neutralité armée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes neutres parce qu'on nous l'a probablement quasiment imposé en 1815. Le traité de Vienne ayant lieu le mois de mars, je crois, et ensuite toutes les sommités d'Europe se sont réunies, donc la Prusse, là, etc., la France, qui était d'ailleurs représentée parce que Talleyrand avait quitté, bon, et était remplacé par le duc de Richelieu de mémoire. Le duc de Richelieu, qui n'est pas le vôtre Richelieu, bien sûr, que vous connaissez, le duc de Richelieu, et qui a signé donc le document demandant à la Suisse, imposant à la Suisse d'être neutre. Et nous sommes neutres depuis 1815. Oui, hier, j'ai l'impression qu'on a donné un petit coup de couteau, c'est-à-dire qu'on s'est rallié à l'ensemble des décisions de l'UE, de l'Union européenne, hier, et on a dit qu'on allait bloquer les comptes des oligarques suisses et tout ça. Mais c'est vraiment un coup de couteau que nous donnons dans notre neutralité, coup de canif, on dira, parce qu'on est en Suisse, voilà. Et nous ne sommes pas membres de l'OTAN, c'est ça qui est essentiel, et nous ne sommes pas membres de l'UE, voilà. Donc, je pense que l'OTAN, si on parle déjà de ça, mais je ne sais pas si c'est le moment, vous disiez, chère madame, tout à l'heure qu'il y a des gens qui enviaient la Suisse, je crois que personne n'envie la Suisse. Sans ça, nous aurions des candidats, et on en a, hein. Il y a la Finlande, il y a d'autres gens, voilà, et qui feraient volontiers un OTAN européen, c'est-à-dire une confédération européenne qui cède à l'État confédéral la responsabilité de monter une défense nationale. Voilà. Ça, je pense que c'est l'avenir de l'Europe. Alors, je me permets d'ajouter une question. Oui. Comment expliquez-vous le fait que la Suisse ait pris position par rapport à l'Ukraine? Pourquoi? Parce que je pense que nous sommes neutres, je le reconnais. Nous n'avons donc pas participé à aucune guerre. Depuis 507 ans, dire que nous allons bloquer, et on ne l'a pas dit en même temps que l'Europe, à deux jours près, je vous l'accorde, on ne l'a pas dit en même temps, mais c'est une décision que nous avons le droit de prendre au point de vue constitution, nous avons le droit de dire que nous bloquons certains comptes, et nous livrons pas d'armes et tout ça, bien sûr, nous n'en avons pas de soldats, on n'en voit plus, ça c'est fini, et que nous... Donc moi personnellement, si j'avais eu un rendez-vous avec Monsieur Poutine, je lui aurais dit, et voilà pourquoi nous nous intéressons à l'Ukraine, je lui aurais dit, mais Monsieur Poutine, je voudrais savoir, voilà le texte, Monsieur Poutine, pourquoi la Suisse vous convient-elle, ainsi qu'à vos prédécesseurs, donc Reagan, Khrushchev et tout ça, enfin c'est fou ce qu'il y a de gens qui sont venus négocier en Suisse, à Genève ou à Montreux ou à Lausanne, etc., ainsi qu'à vos prédécesseurs pour y organiser vos rencontres internationales. La dernière rencontre a eu lieu au mois de juin dernier avec M. Biden, et là, quand il y a un mois et demi, il avait donné une conférence, M. Poutine, il avait dit « mais je voudrais rencontrer les Américains de nouveau à Genève ». Alors pourquoi à Genève ? Donc moi je pose cette question à M. Poutine et il me répond bah, c'est parce que vous êtes démocratique, neutre, armé et non membre de l'OTAN. Si j'avais pu poser cette question à Poutine il y a un an ou six mois, trois mois, six mois, j'aurais su si la réponse était vraie ou pas vraie. Parce qu'il dit « Ah, si vous êtes comme ça, bon à ce moment-là évidemment je ne vous attaque pas ». Et s'il dit « non, je vous attaque quand même de toutes les façons parce que vous êtes une démocratie armée », bon, on sait qu'il veut continuer. Voilà.
Voilà la position. Donc, nous sommes directement intéressés. Je vous signale que nous avions le Gazprom 2, le numéro 2, nous avions sur notre terrain la société qui détient les droits sur, enfin, qui est propriétaire de Gazprom 2, dont nous avons déposé le bilan hier ou avant-hier. Enfin, le bilan a été déposé, pas moi, non. Le bilan a été déposé le siège était à Tsouk. Donc, nous sommes directement intéressés par tout ce qui tournait autour de ça, c'est-à-dire les assureurs. Nous avions Swiss Life, je crois, ou Swiss, je ne sais pas, qui était la compagnie d'assurance qui assurait les Gazprom, etc. Donc, nous sommes directement, nous, concernés par la démocratie en Europe. Alors, avant de conclure, Dominique, oui. Avez-vous quelque chose à dire, un conseil à donner aux adhérents de France Souveraine ou aux Français en ce qui concerne l'initiative populaire? Y a-t-il un chemin par lequel commencer en France pour voir émerger une représentation politique qui prenne plus en compte la souveraineté populaire? Ah ben oui, on peut tout à fait lancer, mais je ne crois pas que ça demande un grand changement dans la Constitution, mais lancer une initiative populaire, je trouve ça une excellente chose. Et encore faut-il que ça passe, je ne sais pas très bien où. Moi, je ne connais pas évidemment l'organisation suisse. Mais si on avait un peu de marge de manœuvre, je constituerais moi personnellement d'abord le socle. Le socle, c'est-à-dire le bicaméralisme, c'est-à-dire les deux chambres. Pourquoi ? Parce que ce sont elles qui sont les représentants du souverain et du peuple. Donc tout passe par là. Donc, si après vous voulez lancer des initiatives, des référendums et choses comme ça, il faut donner, il faut que ça passe à travers le bicaméralisme. Et je crois que ça doit être la première chose. Et je pense que nous pouvons transformer le Sénat en une chambre Conseil des États, c'est-à-dire représentant de deux ou trois départements, trois autres députés, et d'avoir une double chambre qui est les pouvoirs que vous connaissez en Suisse. Voilà. Moi, personnellement, j'essaierai de voir si on peut faire ça, et ensuite, je proposerai de lancer des initiatives populaires, et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Je ne vois pas. Alors après, voilà. Mais après, il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place. Je vais vous donner 3-4 exemples. Comme ça, vous allez voir qu'il ne faut pas se focaliser à l'initiative populaire. Moi, je propose, par exemple, différents, vous savez, ces fameux airbags dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous empêchent de marier les deux départements, justice et police, parce que je vois tous les journalistes dans toutes les chaînes sont toujours en charge de la justice et police. Donc, ils ont déjà un comité d'accueil de journalistes qui sont tous en charge dans leur propre radio-télévision, chaîne, et ils sont en charge de la justice et police. Eh bien, marions justice et police. Vous verrez que les choses vont changer, mais radicalement, et ça sera plus des et personne ne vous en empêche. Maintenant, si vous voulez transformer la nomination des juges en une votation de ce fameux Assemblée fédérale. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut y penser rapidement. Et c'est ce socle-là qui doit nommer tous les dirigeants du pays. C'est ce socle-là qui est à la proportionnelle, évidemment. Donc, les fameux 200 plus 46 égale 246 députés. Et c'est eux qui doivent dire, on va voter pour les juges. Tout le palais fédéral à Lausanne, qui est le suprême en Suisse, il y a 38 juges, ils sont tous élus. J'ai été choqué quand j'ai vu aux États-Unis Monsieur Trump qui quittait le pouvoir quelques jours plus tard parce qu'il n'avait pas gagné les élections, et il a fait nommer à la Cour suprême, il a fait nommer une juge qui est passée à la Cour suprême et qui a fait basculer la majorité du côté républicain dans la Cour suprême. Bon, c'est pas de la démocratie, ça. C'est pas de la démocratie. On dit que c'est... Mais non, c'est pas de la démocratie. Bon, mais rien ne nous empêche donc de mettre en place non plus une nomination comme vous en avez eu du temps de celle qui était Place Vendôme, qui a nommé des juges qui ont jugé M. Fillon.
Voilà. Si on met, si on fait mettre des juges qui ont été élus, très bien. Alors, je disais que j'allais, que j'avais un vote parce que quelqu'un avait déposé une initiative. Donc, vous voyez que ça tourne. La Suisse, malgré que ça marche, il y a quelqu'un qui a réussi à retenir 100 000 signatures, et qui a demandé, et le vote était donc le 17 février dernier, et qui a demandé que dorénavant les juges soient tirés au sort. Bon. Et il a été remballé, le projet a été remballé, couché, fini, terminé. Le problème est réglé le lundi matin à 8 heures. Le souverain a refusé que l'on passe qu'on tire au sort les juges. Voilà. Donc le problème est réglé. Donc vous pensez une chose en conclusion, parce que je pense qu'on va arriver à la fin, que la démocratie c'est un outil. C'est pas un outil politique. C'est un outil qui sert à valider des projets politiques que vous avez le droit de mettre en avant. Voilà. Tout citoyen et toute personne, y compris l'État et y compris le Conseil fédéral, peut émettre des idées. Est-ce que ça répond à votre question, chère madame ? Oui, entièrement. Merci beaucoup. Ah bon ? Alors, ce qui est sûr, c'est que la France envie la Suisse. Merci à vous, cher Dominique. Merci à vous, chers compagnons. Et à bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt. Merci beaucoup.